Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, Christ est ressuscité. C'est l'annonce qui a retenti au cœur de la nuit. C'est ce que l'Église dans le monde entier célèbre en ce dimanche de Pâques, la résurrection du Christ. Et c'est la messe que nous allons suivre, célébrée par le pape François sur cette place Saint-Pierre où des milliers de fidèles sont massés depuis tôt ce matin. Première messe de la résurrection célébrée par le pape François depuis le début de son pontificat, une célébration qui va débuter dans un instant avec le rite du Resurrexit, l'ouverture de l'icône du ressuscité, copie d'une icône médiévale autrefois conservée à la basilique du Latran et que le pape portait en procession jusqu'à Sainte-Marie Majeure et qui est maintenant remplacée par une reproduction pour éviter qu'elle s'abîme. Autre particularité de la célébration de ce matin, c'est au début de la messe l'aspersion qui remplace le rite pénitentiel et rappelle l'eau de notre baptême. Et puis pas d'homélie dans cette messe célébrée par le pape puisqu'il s'adressera aux fidèles et au monde entier tout à l'heure à partir de midi pour le message pascal qui précède la bénédiction Urbi et Orbi. Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno. Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre. Frères très chers, invoquons la bénédiction de Dieu notre Père pour que ce rite d'aspersion ravive en nous la grâce du baptême, par moyen duquel nous avons été immergés dans la mort rédemptrice du Seigneur pour ressusciter avec lui à la vie nouvelle. Omnipotens nos a peccatis purificet, et per iuvius Eucharistiae celebrationem dignos nos redat, cui mense regni sui participes efficiamur. Thank you.
Oremos. Deus, qui odar nadie per unigenitum tuum, eternitatis nobis aditum, de victa morte reserasti. Da nobis quesumus, ut qui resurrectionis dominici solemni acolimus, per innovación in tui spiritus, illumine vite resurgamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convive te regna in unità de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. On chante le psaume 117, « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ». Grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò. Fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Immédiatement après cette seconde lecture, on chante la séquence « Victime Pascalis Laudes » à la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Thank you.
Dominus vobis Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Prima autem sabbatorum, Maria Magdalene venit. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Et il regarde, le linceul restait là. Et le linge qui avait recouvert la tête n'ont pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Verbum Domini.
pas d'homélie en cette messe de la résurrection, ce dimanche de Pâques. C'est après la messe que le pape François s'adressera aux fidèles depuis la loggia de la basilique avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Raison pour laquelle on invite la nombreuse assemblée à maintenir le silence pour laisser résonner dans les cœurs les paroles de l'évangile entendu à l'instant. Meditemos brevemente en silenzio.